Bonjour tout le monde, ici Jake sur Ivasound Studio. Ivasound Studio, qu'est-ce que c'est? C'est une petite association de la région toulousaine qui fait de la radio, qui aime le jeu vidéo, qui fait des ateliers socio-professionnels auprès de jeunes de voies de redynamisation, réinsertion, resociabilisation. Toutes les informations en description. On a aussi un crowdfunding en cours, n'hésitez pas à soutenir la campagne. Le lien est en bas, sur les réseaux partout. Et on est très actif sur Discord, rejoignez le Discord, point exclamation Discord. Voilà, c'est bon, on peut y aller. Aujourd'hui, ça est pour toute la journée, jusqu'à ce qu'il soit terminé. Bah, c'est Crash Bandicoot, premier du nom. Donc, on va jouer à la version de la Insane trilogie qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. L'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Du coup, premier du nom. La dernière fois que j'ai touché à Crash Bandicoot, j'étais... Voilà, pour vous dire. J'étais tout petit. Du coup, je m'en souviens pas. Je voulais lire Impro, tu n'avais pas répété ce gueule? Non, absolument pas, à force, je le connais pas du tout, tu vois. C'est quasiment le même texte tout le temps. C'est quoi ça? Licence et politique de confidentialité. Oh bordel. Universal, contrat, patati patata, Activision. Ouais, ben merci Activision pour ça. Oui, ben j'accepte. Prenez mes cookies. Voici Crash Bandicoot. Ok. Allez, c'est parti. Crash Bandicoot premier nom, j'étais vraiment très jeune quand je l'ai fait, je n'ai aucun souvenir de cette chose là. Donc on va voir comment ça se passe. Mais Docteur Cortex, nous n'avons pas trouvé la cause des précédents échecs. Imbécile, ce Bandicoot sera mon général et il guidera mes commandos Cortex pour dominer le monde. Cette fois, je vais régner en maître. Nous sommes plus près du but que jamais. Vite, dans le vortex. Docteur Cortex, le vortex n'est pas prêt. Nous ne savons pas ce qui peut se produire. Encore un échec. Donc à la base, c'est une créature du Docteur Cortex. Préparez la femelle, Bandicoot. Ok. N. Sanity Beach. Conseil, ramasse 3 masques AQ pour devenir invincible. Ok, bon, comment qu'on joue? Alors, il a été refait, il n'y a pas à dire, niveau graphisme, c'est toujours mieux qu'un Mario 64 HD. LOL. Pourtant, j'adore Mario 64. Ok, je bouge. Ce bouton-là, c'est la tornade. Ce bouton-là, c'est sauter. Ça, ça sert à rien. Ça c'est quoi? Ça, c'est pour avoir les informations, d'accord. Tac, 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 j'appuie sur tous les boutons. Ok, alors on y va. Je vais rapprocher encore un peu le micro. J'espère qu'il va pas tomber. Au pire, j'irai sur le pouce. Allez. Oh mon dieu, il t'offre une vie. Et l'idée de est gratuite à celle-là. Sauter, tourbillonner, inventaire, ok. Oh, bonjour le crabe. Tu vas finir en bouillabaisse. Sauter, c'est ça, ok. Bon, ça a l'air très linéaire. Donc, allez, c'est parti. Des petites pommes là, des petites mangues. C'est quoi? C'est des pommes ou des mangues? Il y a plus des mangues que des pommes quand même. Faites vos jeux, pommes ou mangues, je sais pas. Ah bah ça commence bien, dis donc. Il y avait un trou, fallait que je tombe dedans. Ah, on repart là. Ah ouais. Donc il y aura sûrement un système de checkpoint. Ok, il est beau, hein, et ça se voit qu'il a été refait, mais par contre niveau perspective, j'ai toujours des problèmes dans ma tête. Hein. Hop là. J'ai plus des pommes quand même. On va dire des pommes. Manger des pommes, comme dirait Chirac. Fruits et légumes par jour, vous connaissez. Elle est où l'ombre de la caisse? Alors je crois que c'est des mangues. Ok. Ne vous attendez pas à un speedrun. Vous voyez comment j'avance, je fais un pas toutes les demi-heures. Donc ne vous attendez pas à un speedrun du tout. On y est jusqu'à minuit. J'espère finir le jeu avant quand même. J'ai pas regardé la durée de vie du jeu. Je l'avais vu quand j'avais préparé le programme de ces semaines là. Je m'en souviens plus du coup. Pourquoi il y a une caisse métallique là? Comment on casse les caisses métalliques? Ça y est, ça commence à me perturber, je vais vouloir faire le 100%. Alors dans le lore ce sont des Wumpa. Dans la jungle il y a plus de chances que ce soit effectivement des mangues plutôt que des pommes. Bon c'est jamais hein. Du coup ce sont des mangues, d'accord. Eh manque de bol. Humour drôle. Je m'insupporte. Alors, le premier, c'est... Ça y est, on commence à être à déchiffrer des lettres. Ah non, c'est juste point de contrôle. Ah d'accord. Cut le stream tout de suite. Non mais, c'est tout le temps comme ça en fait, que peu importe que ce soit le début, le milieu ou la fin du stream, c'est tout le temps comme ça. Oh! Regardez, j'ai un masque. Un masque... un masque qui me correspond, dis donc, il y a LGBT. Je lance des tortues. T'as cassé. Le trou! Purée, le trou quoi. N'empêche, ça ferait un... Là, comme ça, ça ferait un super runner sur mobile. Si, ça doit exister, je pense. Mais vu comment c'est, on peut faire vraiment un runner. C'est clairement un jeu à runner, ça. Doit exister je pense. J'ai pas la licence Crash, je la connais pas tellement, je sais juste qu'il y a Crash 4 qui est sorti récemment sur Twitch, qui est de l'autre côté du micro et de l'autre écran d'ailleurs. Mais ok, ça commence bien. Pourquoi j'arrive, je rate là, il y a un trou, attention, attention au trou. Voilà. Crash, crash, crash de la jungle, attention au trou. On pourrait en faire une parodie, dis donc. Ne me tentez pas. Encore? Non mais sérieusement, on va sortir le mètre pour mesurer là. Sauter, ok. Tortue, ok. Sauter, ok. Là il y a un trou. Et là on sautait, voilà. Là c'est celui-là, le dernier trou que j'ai pris c'est celui-là. Attendez, attendez. Attendez, où est la perspective? Ok c'est là, 1, 2, 3, sauter. Non mais c'est... C'est le premier niveau quoi. Allô? Attends, est-ce que t'as un double saut par hasard? J'ai pas regardé. T'as même pas double saut. Ok. Je vais ralentir sur tous les trous quoi. Tac. Tac. Génial, je gagne une vie. Super. J'ai juste perdu 3 vies depuis le début du premier niveau. Hein. Et là ça passe. Bon je dois y aller, je reviendrai peut-être plus tard. Bah quand tu veux, aucun problème, Dragonix, fais-toi plaisir. Allons bon, il y a deux chemins, gauche ou droite. À gauche, la forêt enchantée. À droite, le cauchemar de tes nuits. Est-ce qu'il y a vraiment une influence, gauche ou droite? De toute manière je peux revenir en arrière. À droite? Ouais, bah moi je vais à gauche, par habitude. La tortue m'a touché. Il y a des pommes, des mangues. Ah, bah on va aller de ce côté là, du coup on va voir s'il n'y avait pas quelque chose que j'ai raté. Ah bah une tortue. S'il n'y a pas un trou. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh purée, il y a un truc spécial. Hop là, on vient en arrière. En arrière. Vous avez les gens qui vont faire les objectifs vite du jeu. Et puis vous avez moi qui, pendant que la maison brûle, fait un golf pour aider le jardinier d'à côté, quoi. Stop! C'est quoi ça? Oh purée, je les rate toutes. Bon, j'ai gagné une vie, mais je les ai toutes ratées quand même. 1, 2, 3. Ouais. C'est quoi ça? 44 sur 49. Oh punaise, il faut quand même péter toutes les caisses. Oh bordel. Il faut péter toutes les caisses. Oh! Mais c'est celle de avant. Bon ben, on... Vamos, hein. Vamos à la next level. Oui, bien sûr. Mais tu as raté 5 boîtes. J'ai raté les boîtes. Mais je repartirai pas avec les 500 000 €. Allez, j'ouvre la boîte numéro 4. Mais que va dire le banquier? C'est pas obligatoire, bah tant mieux. Ah oui, pendant ce temps, lui, il s'est dit, tiens, si je grandissais ma maison. Ok. Mais pourquoi je suis déjà au niveau 3? Je viens faire je fais du niveau 1. Là. C'est quoi le niveau que je viens de faire au juste? J'ai raté le Hank et j'ai raté le diamant. Et oui, ça s'appelle un Hank. C'est quoi Stormy Ascent? Je viens de faire quoi au juste? Là il faut me... Je sais plus. Je suis déjà paumé. C'est quoi ça? Stormy Ascent. Sélectionner. Bon, on va sélectionner. On va voir ce que c'est. C'est violet. Pourquoi je suis en haut là? Vers N. Sanity Beach, Stormy Ascent. Qu'est-ce que c'est que ça? Je termine le jeu, c'est ça? Bonne chance, tu vas en avoir besoin. Ah non, c'est un vrai niveau. Ah non, c'est devant moi. Attendez. Oh purée, il va falloir que je monte ici. Ici. Va-t'en le scientifique. Ah. On recommence. Voilà, et maintenant je fais quoi? Ah, c'est un ascenseur, ça va. J'avais pas compris que c'était un ascenseur. Ok. Un niveau de plateforme, j'adore les niveaux de plateforme. Ah oui, on passe. Oh bordel. Oh, ok, d'accord. Quelqu'un peut me faire une perf de café? Oh punaise. Je crois que la première injection de 5G n'a pas suffi, quoi. J'ai besoin d'une perf de café, de vitamines, de tout ce que vous voulez. Je suis désolé, je suis à moitié réveillé encore. Oh, j'ai mouru! Ah, j'ai mouru! Je sais pas pourquoi, pour moi les docteurs fous, les scientifiques fous, ils ont tous des accents allemands. Ne me demandez pas pourquoi. Ascenseur. Premier étage. Tour infernale. Alors, et maintenant? Et maintenant, que vais-je faire? Bordel de merde. Non, sérieusement, je monte comment là? Je veux bien le tempo, mais quand même, il y a des limites. Tac, tac. Mais c'est pas possible, ça! C'est pas obligatoire. Mais pourquoi ça y est si c'est pas obligatoire? Je sais pas de quand date ton message en fait. Tu dois anticiper l'arrivée de la plateforme. Top. Ouais, vachement. Je vous rappelle un mot que j'aime beaucoup. Mais c'est une compétence qui me manque. Ça s'appelle la dextérité. C'est utile à des gens. J'aimerais bien en avoir. On peut passer 2 heures sur un niveau comme ça, je vous le dis. Si vous avez suivi d'autres streams de jeux de plateforme, normalement vous connaissez mes qualités et mes faiblesses sur ce genre de choses. Donc vous savez très bien que ça, on y passe 2 heures. Top. Purée. Genre Splasher? Ouais, genre Splasher par exemple. Mais Splasher c'est particulier. Splasher c'est un jeu particulier. C'est souviens-toi de la montagne Glagla dans Mario 64. Rien que ça. Souviens-toi juste de ça. On y croit. On y croit. J'y arrive pas. Mais ça, là, ce que je fais là, cette zone-là, c'est quoi? C'est la fin du jeu? Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu speedrun, à vrai dire. Et oui, je me rappelle de la montagne Glagla et de la glissade malencontreuse. Oui, oui. Et oui. Oh, l'étoile! Ah, ben je tombe. Bon. Je suis désolé, mais je suis là pour faire du jeu, pas pour chuter à l'infini. Du coup, on va reprendre le cours de l'aventure normale. Si on y arrive. Direction les îles Wumpa. Bien. Ça, du coup, c'est le niveau qu'on a fait juste avant. Donc là, c'est là où on doit aller. Allez, c'est parti. Woog. TNT, je sais plus s'il faut les casser ou pas. Mais où est l'ombre de la caisse? Regarde, ah voilà. Il n'y a même pas d'ombre pour la caisse. Comment tu veux que je sache où est-ce qu'il faut la taper? Il n'y a pas d'ombre. Il n'y avait pas d'ombre. Et ça, qu'est-ce que j'en fais ça? Je sais plus ce que j'en fais. Bon, on va la laisser là. Hein. Tu t'approches et tu t'écartes. Voilà. Oui, oh un blaireau. C'était Donald Trump. Oh un blaireau. C'était Poutine. Hop là. Ah, ça c'est bien ça. Oh des blaireaux. Kim Jong-un et le président chinois. Ah une plante piranha. Parce qu'au moins, moi. Comme ça. Ah, j'ai gagné un truc. Plante piranha et je suis tombé. Jinping. Jinping. Oui, un truc comme ça, oui. Et voilà, j'ai cassé la caisse, tiens. Mais il n'y a pas d'ombre. Comment je peux savoir où est-ce qu'elle est? Ouh le gars. Hop hop hop. Saute sur la TNT après. Ah bon? Ah oui, d'accord. Ouais bah elle a pété quoi. Pendant ce temps on entend un éléphant au loin. mana. Par contre, les nitros, tu t'en approches pas. D'accord, les caisses vertes. Mais je tombe à chaque fois, là. Il y en a qui font des streams jacuzzi, moi je vais faire un stream trampoline. Voilà. Tac, tac. Et si on mettait un trampoline dans un jacuzzi? J'ai pas été touché là, sérieux. Ah, attendez, j'ai oublié la mangue. Voilà. Sérieusement, comment je passe? Ce serait un jaculine, du coup. Tout à fait. Ou un trampouzi. Voilà. Ok, d'accord. Il suffisait d'être plus rapide qu'elle. J'ai pas été touché. Non, 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 je conteste. Je conteste. J'ai fait la tornade avant. C'est le niveau 2. C'est le niveau 2, sérieusement. Je voulais un jeu tranquille, pépère, rétro, chill. Qu'est-ce que je fais? J'ai game over au niveau 2. Voilà. Et je casse la caisse qui me fait rebondir. Voilà. Alors moi j'ai tout vu et si tu t'es fait toucher. Non mais attends, l'animation du truc, non non non. Ça se joue à la frame. Hein. Par contre j'aimerais bien avoir un double saut, ça me serait très utile un double saut. Encore battu pour le moment. Bon, les roues, on va sauter dessus, par-dessus, c'est plus simple. Je veux un masque comme ça en vrai. Ok, checkpoint. C'est quoi ça? C'est le diamant. C'est un diamant. Bordel. C'était pas ça qu'il fallait faire. Mauvaise idée. Trop tard du coup. Comment je la récupère la vie là du coup? Comment je peux la récupérer? Faut sauter et tourner au milieu. Si je me mets là, ça passe, on est d'accord? Voilà. S'il y a une caisse comme ça, c'est qu'il y a un truc. Ou pas. Ok. Non! Non, elle sert à rien. Il y a des caisses qui servent vraiment à rien. Ah bon? D'accord. Mais dis-moi juste en dos, c'est parce que t'as la soluce sous les yeux ou c'est parce que tu connais le jeu pour savoir? Tant qu'à faire pour savoir qui connaît le jeu ou pas. Je sais que le copain Imra, il connaît le jeu. Parce qu'il a fait toute la trilogie et je crois même qu'il a fait le 4. Ou pas? J'ai joué au 2, au 3, au Team Racing, au Bash. Team Racing, c'est un jeu de course, celui-là je connais. Bash, c'est quoi Bash? C'est Bash 2 en 1, c'est de la lessive? Oh là là, c'était dur hein. Des mini-jeux en multi. Ah, trop cool. Salut Wadios. Team Racing que j'ai derrière moi, mais je préfère Mario Kart quand même. Il y a un jeu, si, il y a un jeu que j'ai beaucoup aimé. C'était sur la... Je l'avais sur GameCube. C'était du Crash? Si, c'était du Crash. C'était sur GameCube, enfin il était peut-être sur d'autres plateformes, mais je l'avais sur GameCube. Et c'est un jeu... Si ça devait être ça, des mini-jeux, c'est peut-être lui en fait. Ou dans les chargements, tu pouvais appuyer sur tous les boutons de la manette, ça pétait et ça rotait. Et ça nous faisait rire avec mon frère et ma soeur. Voilà, c'est tout bête, mais... 37 sur 43. Eh ben, ne vous attendez pas à ce que je fasse le 100%. GameCube avec Crash, ça m'étonnerait. Si, si, si. Je l'ai peut-être à côté en plus, je crois, parce que j'ai encore des choses en vente, des trucs rétro. Si celui-là je l'ai vendu ou pas. Si si sur GameCube hein. Il y avait la PS2 mais il y avait sur GameCube. Je regarde, je me lève, je regarde, je vous dis ça. Je sais plus si je l'ai vendu ou pas. Bah, je sais pas si ça va se voir. Nintendo GameCube. Crash Tag Team Racing, premier du nom. Et c'est pas une blague, hein. C'est pas ce jeu auquel je pensais à la base, dans ma tête, mais c'est pas une blague. Nous voilà le streamer qui part. Mais non, je suis à côté. J'ai qu'un studio, t'inquiète pas, je n'habite pas dans un château. Autant pour moi. D'ailleurs, je le vends, le jeu que je viens de vous montrer. Si ça vous intéresse, vous tapez, vous allez sur le bon coin. Quelque part en Occitanie, il ne doit pas y avoir beaucoup d'offres sur celui-là. Vu que je vends tout ce qui est rétro chez moi. Console rétro, jeu rétro, il me reste pas grand-chose, et ça part vite. Il doit me rester 2 jeux GameCube, une dizaine de PS2, 2 jeux PS2, et j'ai encore une Nintendo 64 que je vends. En console, il me reste que la Nintendo 64, les autres, je les ai vendus. Sur GameCube, ça va être compliqué, j'ai pas la GameCube, mais ça aurait été avec plaisir. C'est le seul jeu de cartes en vrai mode histoire. Avec un vrai mode histoire, ouais. C'est peut-être celui-là auquel je pense en fait. Oui, c'est celui-là. Il y a un parc d'attractions dedans, je crois. Celui que je pense, c'est vraiment... Il y a un parc d'attractions dedans. Et oh, mais je me fais écraser par la caisse, dis donc, ouais. J'ai la caisse piégeuse. C'est la caisse... qui... Là, je me fais tuer par un singe qui roule. Ce jeu est magnifique. Tac, 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 on y va. C'est le niveau 3. Ça fait une demi-heure, on est déjà qu'au niveau 3. On est que au niveau 3, pourquoi j'ai dit déjà? Sérieusement? Dans mon idée, c'était avec le temps de faire toute la trilogie. Comme Spyro, j'avais fait Spyro 1, j'aimerais bien faire les autres. Spyro 1 qui s'était plutôt bien passé d'ailleurs. Là je me dis, je m'étais dit l'autre fois, je vais faire Crash Bandicoot 1 et je ferai toute le reste de la trilogie plus tard. Quand je vois comment ça se passe juste pour ces premiers niveaux là, en fait je ferai pas peut-être pas la trilogie. Hein. J'arrive pas à faire autrement. Pourquoi toute la jungle m'en veut quoi? J'ai rien fait, je suis gentil moi. Le talent. Oui bien sûr. Le talent. Incroyable le talent. Faut s'accrocher à ça? Ah non. Là on dirait qu'on est à Python du tonnerre dans World of Warcraft. Attendez quoi? Oh d'accord, ok. J'avais pas capté ce principe là. Raté. Ce piège. Sérieux. Faut faire tout d'une traite. Manger des pommes. Manger des pommes. La pomme est un fruit que je trouve sympathique. On le perd. Hop là, c'est bon. Checkpoint. Ah ça y est, maintenant il y a des totems qui ont des... Je l'avais pas vu celui-là. Je l'avais pas vu. Ah. Il va bouger lui ou pas? Oui, il bouge. Je pense qu'on l'a déjà perdu depuis 30 minutes environ. Bah depuis le début du stream, non? 30 minutes. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, c'était un soldat romain de chez Astérix. Oui, une vie. C'est compliqué ça. Et maintenant il y a du feu. C'est... oui en même temps c'est pour... c'est la période pour les barbecues. Les barbecues. 1, 2, 3. Bon on y va. Allez go. Niveau bonus. Niveau bonus on peut le faire. Combien? 11 caisses. Ah mince. Ah attendez. Non. On peut recommencer ou il n'y a pas d'autres tentatives? On peut recommencer, ok. Il y a un timer, non? Il en manque deux. Voilà, si je les ai pas quand même. Voilà, c'est bon. Ah, ça rapporte plusieurs vies à la fois, d'accord. Pratique. Pratique, pratique. Pendant ce temps, on a les cactus qui font... Voilà, il y a des cactus. Fin du niveau, oui. Et fiu. Oui, je sais que j'ai raté des boîtes, je suis au courant. Est-ce qu'on peut me dire combien il y a de monde et combien il y a de niveaux par monde, s'il vous plaît? Parce que je ne m'en souviens pas. Oh, génial, un runner inversé. C'est pire que les runners normaux, quoi. Ah, Indiana Jones. YOLO. Non, le trou. Oh, diamant! J'ai eu un diamant. La fin du niveau. Ça va, c'est tranquille. 3 mondes avec 9 niveaux. Seulement 3 mondes? Ah bon? D'accord. 9% terminé. 9% du jeu, j'espère. Hein. Là, c'est bien où d'aller. Il faut sauvegarder manuellement? Non, ça va, ça sauvegarde auto. Ouf. J'ai eu peur. Après ce niveau, ça sera un boss. Un boss? D'accord. Sûrement un sbire de Docteur Cortex. C'est Minus et Cortex. Cortex et Minus. Pourquoi il y a un truc là? Ah, il y a des plombs, il y a des... Il y a des piranhas. La cascade. Checkpoint. Déjà le checkpoint? Sérieux? Ah, j'ai tenté, j'aurais pas dû. Alors attendez, où est la synchro là? Maintenant. Pas maintenant. J'étais un petit peu en dehors de la feuille là. Excusez-moi. Ok, là faut patienter. Mon dieu, j'avais pas vu le piranha juste derrière moi. Je suis passé comme ça, il aurait pu me manger. Je sais pas si ça coule ces choses-là. On aurait dit les choses de chez Stranger Things quoi. J'ai vu les 10 premières minutes du premier épisode de la série, je me suis arrêté. Hop là. Il y a des choses sur le côté, ça glisse. Punaise, mais oui, attention à la mousse. Oh là là. Sauce, Jake, sinon kaboum. Allez, yes. Je voudrais récupérer un masque, s'il vous plaît, merci. Ok. Allez, on saute, on saute, on saute, on saute, on saute, checkpoint. On y va, on saute, hop là. Allez, on va faire un autre bonus. Pourtant, très sympa Stranger Things. Ouais, mais je sais qu'il faudrait que je m'y mette, mais non. J'ai compris le truc. Yes. J'ai compris le truc. Il y a écrit 30 et quelques pièces sur 36. Ça doit pas être bien loin de la fin du niveau, je pense. Non, hop, 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 hop. Ah ben, je suis à la fin du niveau. Hop là. Papu Papu. Bon, Papu Papu quoi. Une arène. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais sauter dessus. Ah oui. Faut lui sauter dessus. On voit ses fesses. Ando, t'as fait la même faute qu'hier. C'est un boss ça? Peu déçu par le boss, excusez-moi, mais j'ai trouvé que les niveaux étaient plus difficiles. Rolling Stone. Du coup, ça fait combien de niveaux là? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais passer au 7. Et là, il y a quoi? Machine temporelle de Coco. C'est quoi ça, machine temporelle de Coco? Il attend un bébé, le boss. Lol. C'est vrai qu'il était assez simple. Par contre, vraiment, est-ce qu'on peut me dire exactement pourquoi... Enfin ça, c'est Stormy Ascent, c'est vers le boss final en fait, c'est ça? Là où j'ai galéré la tour infernale à monter. Je comprends pas l'intérêt de mettre ça maintenant en fait, c'est ça le truc. Les machines temporelles de Coco... C'est pour changer d'île. Coco c'est sa frangine, je crois que c'est une ingénieure. Tu veux qu'elle participe à ton aventure? Oui. Appuie sur ZR pour passer à Coco. Ah c'est juste changer de perso, c'est même pas niveau. Alors c'est pas ce que je voulais faire. D'accord. Tu veux le caresse ici? Bah non. C'est juste ça, d'accord, ok. Bon bah bon. On va essayer avec elle. Je sais pas s'il y a vraiment des différences de gameplay. Je pense pas. Débloque un nouveau chemin en gagnant une gemme bleue ailleurs. Oh punaise, il y a des choses alternatives. Faut apprendre à lasser ses chaussures, hein, et peut-être même à compter 2 par 2 au passage. Parce qu'entre toi, mademoiselle et Crash, vous perdez les chaussures à chaque fois. Elle garde son journal intime rose en toute circonstance. Et oui, c'est pour tout noter, pour dire voilà, attention, ici il y a un piège et tout. Checkpoint. Je conteste. Non, ça. Non, c'est bon, je crois pas que je me suis fait toucher. Peut-être que si, j'ai vu des plumes. Il y a un trou juste après, vous êtes sérieux? Oui, c'est un ordi. C'est bon, ça passe. Il est ultra dur en fait le jeu. Je veux les pommes, les mangues. Ah, le truc là-haut là. Je crois que c'est bon. Allez, on avance. Ah, les blaireaux. Ah, ça j'aime bien ça. 21 caisses. Sérieusement, oh! Ok. Qu'est-ce que c'est? On n'a rien vu. Non mais maladresse tout ça. Ok. Il y avait 87 cases dans le niveau. Ah ouais, c'est beaucoup. Par contre, il manque une case de tête d'un quelque chose, je sais pas ce que c'était. Et ouais, j'ai glissé, chef. J'ai raté beaucoup de boîtes. J'ai mal. Oh, je règle mes lunettes, j'ai mal ici là. Il s'appelle Brio. Bah pas comme moi dans les niveaux. Le PC portable est mort là. Un petit peu ouais. Tiens, sauter pour sauter. Non, 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 non. Je peux lui dire d'aller à gauche ou à droite. Checkpoint. Pas mort si ça c'était un journal. Complètement, complètement d'accord. J'ai pas sauté, j'ai juste pas sauté. Pas du tout. J'ai pas sauté. Wow. Ah j'ai pas besoin de... Ok d'accord. Checkpoint. J'ai raté des caisses, mais c'est pas grave. Et maintenant il y a un truc là qui... Oh mon dieu, mais c'est quoi ce niveau de mort là? Ok. J'ai raté des boîtes. C'est quoi le hank? Diamant, ok, j'ai compris, mais le hank, qu'est-ce que c'est? C'est quand on a toutes les caisses? Et puis pourquoi spécifiquement un hank? Et je vais pas... Excusez-moi, mais j'arrive pas à aller à... Je vais même pas à cette hauteur. Ah ok d'accord. Ok j'ai compris. Je crois qu'il fallait aller sur la tortue. On va les atteindre. Ah elles veulent pas. Diamant, c'est toutes les caisses. Ah! C'est quoi le hank alors? Attention à la glisse. Le feu, checkpoint. Ça c'est chiant. Non. J'arrive plus, j'ai plus la synchro. Non, j'ai plus la synchro, j'ai dit. Ok, c'est pas grave pour la pomme derrière, c'est pas grave. Checkpoint. Hop là. Le feu. Ah, on peut rebondir sur le feu. D'accord. Ok. Checkpoint. Hop là, ça passe. Hop là, ça passe. Ça passe pas. Sauter, ça passe. Je crois. Sauter, le feu, ça passe. Ça, ça passe peut-être pas. Si, c'est bon. Hop là. Oh bordel. Par la queue de la tortue. Depuis quand la queue de la tortue c'est dangereux? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un dans la vraie vie se faire tuer par une queue de tortue? Oh. Très précisément ce sont des reliques et c'est pour le contre-la-montre. Qui veut de Carpaccio de Bandicoot? Ouais. Mais sérieusement, voilà, je passe. J'ai paniqué. Ok. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Fin de partie. Je me tape la tête contre le clavier quand je te vois jouer. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Je le redis, hein, moi, j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo, c'est une chose. Mais je préfère que ce soit vous dans l'équipe qui streamiez du jeu vidéo et que moi je fasse un peu plus de radio et notamment d'atelier quand ça reprendra. Et moins je suis sur le stream, mieux c'est normalement. Déjà ça évite de se taper la tête contre le clavier et donc de se blesser. Mais je préfère vous voir vous en stream. Hein. À la base je préfère regarder les gens jouer aux jeux vidéo. Et voilà, j'ai raté le masque. Oui. Non, pas ok, non. Oh, pas ok du tout, même. Ok, checkpoint. Je le ferai, tu le sais. Et oui, oui. Parce qu'en vrai, la liste des jeux à faire ici, elle est longue comme mon bras. J'ai un Trello spécifique juste pour les listes de jeux qu'on pourrait faire. Beaucoup d'indés. Les rétros, c'est un peu en fonction des goûts. Mais il y en a vraiment beaucoup. Des anciens des indés qui traînent depuis des années et chaque année des indés qu'on rajoute dans la liste, enfin que je rajoute dans la liste. Hop là. Mais il y en a un qu'on fera spécifiquement cet été. Mais je vais vraiment avoir besoin d'un helper. D'un win helper. Enfin voilà comment il est. Punaise ! Parce que c'est un jeu qui se joue à l'aveugle. Mais pour jouer à l'aveugle, j'ai besoin. Un, bah déjà j'ai besoin d'avoir du jeu, chose que je suis en train de chercher. Et deux, d'avoir de me bander les yeux. Mais je veux me bander les yeux de manière un peu fun pour le stream. Je veux pas juste me mettre un bandeau ou une écharpe autour des yeux. Quoi. Je cherche le masque de nuit le plus ridicule possible. Hop là. Bref, voilà, vous êtes teasés sur ça. Le jeu c'est quoi? Ah, je vais pas le dire maintenant. Mais en plus je crois qu'en vocal, en privé dans l'équipe j'en ai parlé. Checkpoint. Non la tortue. Comment je fais là? Vraiment comment je fais? Je peux pas faire un tourbillon. Ok j'ai rien dit. Comme ça. Bon, il y a une amélioration. Masque de nuit Hello Kitty commodé. Non, non, non. Je cherche un masque à la base. Je veux qu'il soit ridicule, mais quand même. Je cherche vraiment un masque de nuit type loup, mais loup nul. J'en ai vu quelques-uns sur internet, mais ils sont hyper chers. Je vais clairement pas mettre 15 € dans un masque de nuit juste pour un stream. Il y a un masque à QAQ sur la gauche, quoi. Punaise, non. Non, 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 non. Heureusement, quoi, il n'y a pas de point de dégâts de chute, hein. Un peu sur s'il y a la semaine prochaine en stream sur la chaîne Ivasound Studio. Si ça vous dit, si ça vous dit pas, vous avez la surprise, hein, c'est pas le problème. Diobradine, vu que c'est pas fini, oui, bien sûr, mais pas seulement. N'oublie pas que c'est ma dernière vie. Mince, c'est vrai. Non! Oh punaise que j'ai eu chaud. Comme le feu là, il a eu chaud. Oh bordel. Ah non, ça va, j'ai un masque. Checkpoint. Le rendez-vous du mercredi et du vendredi soir. Le vendredi soir, c'est quoi le vendredi soir? Il y a quoi le vendredi soir? Oui, oui, pardon, j'ai rien dit. Oui, oui. J'ai rien dit. Oui, oui. Il est vachement long ce niveau, ouais. C'est vachement long, Jamy. Allez, non. On reprend où? Oh non. 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 C'est la fin. Du début. Dommage. En fait, c'est ce masque-là, il me le faut absolument, quoi. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh mais faut que Twitch arrête de mettre retard en mode interdit. Hein. J'ai beau le rajouter à chaque fois à la liste des mots autorisés. C'est embêtant. Hein. Et c'est même pas venant du bot de modération, c'est venant de Twitch directement, quoi. Dis pas de bêtises, Jake, t'es un très bon streamer. En retard, mais j'ai pas pu devant le PC. Lol. C'est très gentil, mais... Je le prends vraiment comme un compliment, c'est très gentil, c'est très valorisant, clairement, ça fait vraiment plaisir. je préfère qu'on s'intéresse aux productions concrètes qu'aux jeux vidéo, quoi. Malheureusement, c'est le jeu vidéo qui fonctionne le plus. Bien que le code de la route de jeudi soir a fonctionné. Ça a fonctionné. Et le Mysterium d'hier, en début, il n'y avait pas trop de monde. Mais à partir de la moitié du stream de Mysterium, il a commencé à y avoir du monde. Mais j'espère que quand on va remettre en place les programmes vraiment émissions, mais vraiment émissions, bah, ça va fonctionner, quoi. Il y a des choses qui seront en direct, et malheureusement il y a des choses qui ne pourront pas être en direct. C'est pour ça que depuis le marathon là, de 30 heures, en vrai, il y a un truc qui a été lancé, pas officiellement, mais qui a été lancé quand même. Tac. Tac. Mais et vu que ça a fonctionné, je me dis, je vais sûrement le refaire, quoi. Pour vous teaser un peu. 30 viewers, je crois. J'irai pas jusque là, quoi. Salut Ralga. Il n'y avait pas 30 viewers hier à un moment. IRL? Oui, mais pour lequel IRL? Parce que pour le code de la route, on n'avait pas 30 viewers. Il y avait un peu de monde, mais il n'y avait pas 30 viewers. Ou alors s'il y avait 30 viewers, je sais pas. Il va s'en en roue libre. Oui, mais le code de la route fait partie de IRL. Code de la route, lecture. Il va s'en... Alors, IRL, il va s'en en roue libre. Ce fameux programme, c'est tous les trucs qu'on sait pas comment faire rentrer dans une case, en gros. Ça peut être du code de la route, ça peut être de la cuisine, ça peut être... un peu de tuto environnement écologie, ça peut être aller faire du vélo au bord du canal du Midi, ça peut être faire des Lego, faire des puzzles, faire des perles à repasser à main, plein de choses autour des créations. Bref, plein de choses qu'on peut faire qui sont pas forcément liées aux jeux vidéo, mais sur lesquelles on peut s'intéresser quand même, mais qu'on fait nous directement. Tac. Voilà. Donc IRL, c'est ça. Donc vraiment, à quel moment tu parles de ça? Parce qu'en vrai... officieusement, il y a déjà eu plusieurs IRL. C'est le programme poubelle. Non, j'irai pas jusque là quand même. Faire du tricot rentrera dans IRL, ouais. Je vous montre un truc. Sans déconner, je vous montre un truc. Je reviens. C'est une exclue. Hop là. J'ai ça avec moi depuis l'automne dernier. Et en fait, c'est depuis l'automne dernier qu'il y a cette idée qui traîne en tête. Mais j'y ai jamais touché parce que j'en ai jamais fait. Je sais pas faire. Néanmoins, je vous montre. Hein. On va pas faire ça maintenant. Hein. Je vous le dis. C'est uniquement s'il y a l'objectif de la campagne qui, je sais plus à combien pour le tricot. Ok. Mais sinon, il y en aura peut-être l'année prochaine. Mais j'ai tout ce qu'il faut. Hein. J'ai vraiment tout ce qu'il faut. J'ai ça. Les aiguilles, elles doivent être au fond, je pense. J'ai les tutos. Les tutos. Ah, elles sont là. Et j'ai plein de différentes aiguilles que je sais même pas à quoi elles servent. Je ne déconne pas. Je ne déconne pas. Il y a tout ce qu'il faut. Mais j'y ai jamais touché parce que déjà j'ai peur de ces choses-là. Je sais pas comment gérer ça. Et du coup, ça sera l'idée, ça serait d'apprendre en live et de voir l'échec total que ça sera. Mais s'il faut, ça sera peut-être pas un échec. Mais il y a tout ce qu'il faut. Hein. Et ça rentrera dans IRL, bien sûr. Mais voilà. Mais là, j'ai de quoi faire... une écharpe, une petite nappe, je sais plus, des gants ou des moufles. Non, des gants, c'est plus. Mais je vais pas faire des gants en tricot, quoi. Je partirai plus sur du napperon ou de l'écharpe. Quelque chose de simple. Parce que bon, faut pas déconner, quoi. Hop là. Donc ouais, IRL, c'est... Donc pour en venir à la question de base, c'est à quel moment en dos il y avait 30 vues sur le stream. Ah oui, non, mais alors attends, 32 visites uniques. Attention, c'est pas, voilà, c'est pas 30 viewers à un moment donné, c'est 32 visites uniques. C'est peut-être quelqu'un qui est passé juste 5 secondes. Mais... j'ai paniqué. Hop là, parce que si on va par là, le stream de 30 heures, il y a eu plus de 860 vues, visiteurs uniques. Hein. Ce qui est énorme. Avec le pic, bien sûr, avec les raids autour de minuit et 1h du matin. Et il y a eu un pic au moment de la lecture de cette nuit-là. Je vous dis, je raconte même pas. La lecture a vachement bien fonctionné. Et du coup, il y aura d'autres moments à lecture. Le prochain bouquin est à côté de moi. Je vous le montrerai, c'est pas du spoil, je l'avais déjà dit. Mais il y aura d'autres moments à lecture. Je pense qu'à partir de la rentrée prochaine, j'en ferai une par mois. Mais il faut que ce soit toujours des livres qui amènent à la détente et à l'imaginaire. Donc le prochain bouquin, tout simplement... Alors la caméra est inversée, je suis désolé. Le Petit Prince. Et il va falloir que je trouve, du coup, pour la saison prochaine, vu que ce serait une par mois, une dizaine de bouquins dans le même genre, pas trop long, en 2-3 heures c'est lu, mais qui vraiment amène à l'imaginaire, et ça sera toujours en pleine nuit. Donc si vous avez des suggestions de ce type de livre, de ce genre de livre, je suis preneur. Pas forcément enfantin, ça peut, mais pas forcément. J'irai pas lire, par exemple, Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit, j'irai pas les lire. Enfin, je les ai lus moi personnellement, mais j'irai pas les lire en stream. Les contes de Beedle Barbe, je connais pas du tout. Pareillement, Harry Potter, je vais pas les lire. Je les ai lus de mon côté. J'ai lu jusqu'au 5, je n'ai pas eu le 6, je n'ai pas eu le 7, et je n'ai pas vu le 6, je n'ai pas vu le 7 ni le 8 d'ailleurs. Parce qu'on m'a tellement spoil dessus que j'ai pas voulu les lire. Mais il faudra que je le fasse un de ces quatre. Retourne te culturer. Ben non, mais en fait c'était... à la base, le 1, 2, les bouquins 1, 2, 3, 4, je les ai dévorés en 15 jours, j'avais 10, 11 ans, quelque chose comme ça. 2 ans après, il y a le bouquin 5 qui est sorti. Je l'ai dévoré. Et après, je crois qu'il commençait à y avoir la folie autour des films. Et ça m'a un peu dégoûté. Du coup, je les ai pas lus ni vus. J'ai vu les premiers films, bien entendu, jusqu'au 5. Et après, je suis là, bon, c'est bon, il y a tout le monde qui spoil, ça sert à rien. Je sais très bien qui meurt, qui reste en vie. Donc... ah, je quitte le stream de cette infamie. Excusez-moi, mais il vaut mieux avoir raté Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux. Je préfère avoir raté Harry Potter que le Seigneur des Anneaux. Je ferme la porte derrière toi et pourtant le film passe à côté de plein de trucs. Mais oui, je me doute, les films, ils peuvent pas tout mettre dans le film, hein, ça c'est clair. Rien que dans le premier film, j'étais dégoûté que à la fin, ils mettent que 3-4 épreuves au lieu de tout ce qu'il y a dans le film. L'épreuve des finales, des potions... vous savez, à partir du moment où il passe le chien à 3 têtes, il y a plein d'épreuves pour avancer jusqu'au miroir là. Ben, les potions n'apparaissent pas dans le film. Alors que j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper réfléchi, avec une grosse énigme dans le bouquin. Donc il vaut mieux avoir raté ni l'un ni l'autre. Oh. Genre dans le film 4, quand Albus dit Priore Incantatem à la fin du film, il aurait pu dire tarte au poireau, ça aurait été la même. Ouais. Oh, oui. Bref, tout ça pour revenir au truc, c'est que je cherche une dizaine de bouquins pour l'année prochaine, enfin pour la rentrée prochaine. Une fois par mois, un moment lecture en pleine nuit, probablement après un stream de soir. Mais vraiment dans la verve de Le Livre du Voyage, de Le Petit Prince. Pour 120 à 180 pages, mais vraiment qui est dans la détente et qui fait travailler l'imaginaire. RIP l'explication des Animagus des Maraudeurs dans le troisième film. C'est vrai. C'est que moi, oui, t'as complètement raison. Le singe, il m'embête là. Mais vous voulez que je passe comment? Comment je fais pour passer là? Ok, d'accord. Bon ben... Ça va juste être mon deuxième game over sur ce niveau. Hein. Je rappelle qu'on est encore au premier monde. Allez! Sur ce mode... Ah, j'en ai déjà fait deux. Bon bah, ça sera le troisième. J'en mets 203. Il y a 5 contes de Beedle, le bard, et ça doit prendre 2 heures de lecture à tout péter, peut-être moins. D'accord. Alors lui on le récupère de suite. Oh punaise. Genre à la fin du troisième film, quand Harry Potter voit son lui du futur lancer un patronus du cerf, qu'il croit que c'est son père, c'est vrai, c'est vrai. Dans le film, ils ont juste oublié d'expliquer que son père se transformait en cerf. Ouais. Les morales sont plutôt cool, surtout celle de La Fontaine. D'accord. Ouais, mais les fables de La Fontaine, voilà, c'est pas... C'est des fables, quoi. Si je dois lire des poèmes, à la limite, je lis du Arthur Rimbaud. Je préfère vraiment lire du Arthur Rimbaud. J'adore Arthur Rimbaud déjà et j'adore comment il écrit et les messages qu'il y a derrière ses écrits. Jean de La Fontaine, ok, il y a énormément de messages, mais c'est beaucoup trop imagé. Aujourd'hui, tu prends un Jean de La Fontaine à un gamin, il comprend pas que c'est politique derrière. Il comprend absolument pas. Alors qu'Arthur Rimbaud, ça se sent beaucoup plus déjà. Mais bon, je me vois mal lire de la poésie en stream. Je préfère vraiment partir sur du roman. Du petit roman. On va dire ça comme ça. Mais je vais y arriver, oui, à ce niveau de plateforme. La Fontaine de la Bonne Fortune, c'est un conte de Beedle. Ah, pardon, excuse-moi. Ah non, pardon. Je te prie de bien vouloir m'excuser quand on est poli. Excuse-moi, c'est pas poli. J'y arrive plus du tout. C'est horrible. Et vu que tu n'as vu ni 6 et 7, Beedle, c'est un auteur issu du monde d'Harry Potter. C'est un auteur issu du monde d'Harry Potter? Comment ça? Beedle, c'est pas la personne qui a écrit le livre? Je crois que j'ai perdu ma synchro sur les plateformes. Ok, checkpoint. Tac tac tac. Bouh, mauvais Jake. Ouais, je sais. Beedle le Barde est un sorcier qui écrit des contes pour sorciers. Oui, mais dans l'imaginaire de JK Rowling. C'est ça que je... J'ai été touché. D'accord, donc c'est JK Rowling qui a écrit. Checkpoint. Oui, au final. Punaise. Non. Non. Je sens que je vais finir Return of the Obra Dinn aujourd'hui. Voilà, je me fais bouffer. Allez, game over, bisous. Je suis tout seul à la part, donc je peux t'aider. Oui. Voilà, lui, ce masque il va m'aider déjà. Allez, premier checkpoint. Premier checkpoint. Ils sont super proches les deux checkpoints là. Ok. Punaise, je suis arrivé ici jusqu'à sans encombre quoi. Eh ben dis donc, sortez le champomis. Oh bah tiens, je n'avais pas fait gaffe à ça. Parfait. Alors combien? 5 caisses. 1. Allez, 5 caisses. 1, 2, 3. Je me retiens de rire. De rire, pas de rire, de rire. 1, 2. Oh, flûte. La synchronisation des mains. Ah oui, il y a le masque là. Je l'ai raté, j'ai complètement raté le masque. J'en ai besoin du masque. Du coup, on va perdre du temps dessus. Je l'ai raté. Allez, on recommence. Yes. Allez, le masque c'est fait. Et voilà le checkpoint. J'ai perdu le masque. Pendant ce temps, Super Bomberman Air s'est mis à jour. Merci beaucoup la Switch. Je suis ravi de la prendre. Super Bomberman Air Online d'ailleurs. Ils ont dû apporter un petit correctif. Un patch. Je sais pas ce qu'ils ont pu apporter. Checkpoint. Punaise! J'ai perdu le masque. Non! Punaise! Dernière vie. Il faut que quelqu'un t'aide. Tu n'as qu'une seule vie. Ok, d'accord. Encore de la plateforme? Dites-moi que c'est fini là. Oh le plein de vie! La gratuite. Attendez, pourquoi il y a plein de vie? Pourquoi on nous donne plein de vie comme ça? Allez, on recommence. Enfin, c'est pas trop tôt. Fin du niveau. Salut Nino. Heureusement que c'est la fin, a priori il ne peut plus rien t'arriver. Ouais, enfin quoi. Un nouveau monde, ça c'est ça? Est-ce que ça c'est un nouveau monde? On va dire que oui. Native Fortress. Okay. Attends, on va compter, ce sera plus simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Ça, ça sera un nouveau monde. Je vais mettre un marqueur. Peut-être que je vais découper comme ça.